Suddenly pieces are back together now. What's your vision? Salut à tous et merci de regarder cette vidéo. Voilà, je viens tout juste de recevoir mon ampoule connectée qui va être compatible avec mon Google Home. Vous allez voir que cette ampoule est très sympa, des particularités. On va pouvoir changer la colorisation de cette ampoule avec notre voix. Cette ampoule est une ampoule de chez Sonoff. Je vous mettrai donc dans la description tous les liens, puisque c'est une ampoule à moins de 15€. Avec l'application eWeLink, vous allez pouvoir gérer l'ampoule tout simplement. Pour la connecter, il faut passer par cette application. Par rapport à ces ampoules connectées, pour certaines personnes malvoyantes, ça peut être assez apaisant, puisque on a des lumières rouges, on a des lumières bleues, et en plus on va pouvoir jouer sur mettre plus ou moins fort au niveau de l'intensité. Ça peut être vraiment un très bon point pour les personnes malvoyantes au niveau de l'intensité de la luminosité. On va tout de suite passer au déballage de cette ampoule. Alors c'est assez simple, hein. Elle est donc ici, comme je vous ai dit, le carton est devant la caméra avec un dessin d'un smartphone et le dessin de l'ampoule en question. Entièrement compatible iOS. Alors une fois déballé, on a deux petites notices ici comme ceci. On a un petit code QR avec nos iPhones. On est entièrement capable maintenant de scanner les codes QR et on va se diriger directement pour le téléchargement de l'application. Donc bon point, puisque ce code QR nous dirige directement au téléchargement dans l'App Store. Alors comme vous pouvez voir, au niveau de l'emballage, c'est très bien emballé. Ça vient de Chine, donc ça fait quand même pas mal de kilomètres. Voilà, donc une fois l'ampoule connectée, vous devez créer un compte sur eLink. Une fois que votre compte est créé, voilà ce qu'on peut avoir. Bouton que l'on peut nommer, bien sûr, parce qu'il n'est pas nommé. L'application n'est pas entièrement accessible via VoiceOver, mais on peut renommer quand même les icônes qui ne sont mal nommées. On va pouvoir, par rapport à certaines situations, des personnes en situation de handicap, des membres supérieurs, pour les malvoyants, non-voyants, lorsqu'ils reçoivent des gens chez eux, avec ce genre d'ampoule, on va pouvoir maîtriser l'allumage ou l'extinction des lumières sans se déplacer, sans savoir si les interrupteurs sont allumés ou pas. Et pour les malvoyants, justement, sur l'intensité de la lumière. Par exemple ici, lorsqu'on allume notre lumière, on peut voir ici qu'on a une petite barrette 47,6%. Qui permet d'augmenter ou diminuer l'intensité de la lumière. On a tout en bas trois boutons. Char, bouton, color. On a la colorisation. Color. Si je rentre sur color, color fill light. On va avoir en fait au centre un cercle qui aura changé et on va pouvoir changer l'intensité de la lumière au niveau des différentes couleurs. On va passer du jaune, du vert, du rouge, du bleu, du violet, etc. Et ici, on va pouvoir mettre un scénario, c'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre une ambiance de lumière dans une pièce avec différentes colorisations, ça va clignoter, ça va être plutôt pas trop mal en termes de luminosité. Cette application est entièrement compatible Android iOS, donc sans problème, vous allez pouvoir gérer ça avec un smartphone sous Android ou un iPhone. Et en plus, vous allez pouvoir gérer tout ça avec votre Google Home. Ici, preuve, la vidéo qui va suivre va vous montrer comment on gère l'ampoule à la voix. Et Google, éteins la lumière. Compris, j'arrête la lumière à pareil 12B158. Allume la lumière. Compris, j'allume la lumière à pareil 12B158. Mets la lumière en rouge. Ok, je change la couleur pour la lumière à pareil 12B158 sur rouge. Mets la lumière en vert. Compris, je change la couleur pour la lumière à pareil 12B158 sur vert. Mets la lumière en bleu. Ok, je change la couleur pour la lumière à pareil 12B158 sur bleu. Mets la lumière en blanc. Ok, je change la couleur pour la lumière à pareil 12B158 sur blanc. Poli. Compris, j'arrête la lumière à pareil 12B158. Alors ici, comme vous pouvez voir, au niveau de l'intensité,
On peut jouer sur l'intensité, et ceci avec son téléphone. On peut réellement tout faire fonctionner. Ici, OK Google, mets la lumière en vert. Très bien, je change la couleur pour la lumière appareil du B158 sur vert. Je vous mettrai donc les liens dans la description. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette petite vidéo, de vous abonner à ma chaîne car ça fait toujours plaisir de voir que son travail est récompensé. Et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous! Oli. Compris, j'arrête la lumière appareil 12B158.